Et dans cette scène politique qui est pour ou anti, alors il y a toujours ces voix internes qui disent s'il y avait eu quelqu'un d'autre que Benjamin Netanyahou, ça se serait passé différemment. Oui, mais je pense que Benjamin Netanyahou a bien fait de dire je suis là pour rester, si ce n'est que pour mettre fin à une polémique qui aurait pu entretenir de nombreuses, j'allais dire, de nombreux stratagèmes post-élection. Nous avons le plaisir de retrouver Raphaël Amzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes membre du Likoud. Avec vous, je voudrais qu'on essaye de faire un tour d'horizon à moins de 3 jours, je le disais, de la clôture du dépôt des listes électorales pour la 25e Knesset, de faire un peu le point sur ce qui se passe sur l'échiquier politique israélien. Alors on va commencer par votre parti, le Likoud. Il semble que Benjamin Netanyahou ait décidé d'utiliser donc ses jokers, c'est-à-dire ces 4 ou 5 cartes qu'il dispose pour faire entrer dans la liste électorale du Likoud des personnalités de son choix, et que ce devrait être entre autres Amichai Shikli, qui s'est distingué pendant la dernière Knesset par son opposition, alors qu'il était du parti Amina, son opposition au gouvernement de Bennett Lapid, et également Idit Silman, qui a, on va dire d'une certaine manière, contribué à mettre fin à ce gouvernement. C'était prévu, il n'y a pas, il y a, c'était les meilleures cartes pour Benjamin Netanyahou à jouer, c'était un engagement qu'il voulait respecter. Oui, ces deux-là, c'était prévu, c'était même acté. Il ne faut pas oublier que, bon, d'abord, Amichai Shikli, plusieurs sondages l'ont prouvé, a créé, a généré une forte traction. Il a réussi, de par sa capacité à être seul, hein, à s'opposer au sein de son parti, à ce qui s'est passé avec Naftali Bennett, a gagné beaucoup en popularité. Donc Amichai Shikli, c'est quelque chose de naturel. Et Idit Silman, il faut pas oublier non plus qu'on n'est pas à l'abri d'une future Knesset compliquée. Et le cas échéant, c'est important aussi pour le chef de l'opposition, on espère qu'il ne le soit pas, mais s'il doit l'être, de savoir que les promesses qu'il peut faire, ou alors les engagements qu'il puisse faire aux membres de formations adverses, eh bien, il est capable de les tenir. Et c'était l'occasion de le faire. Le grand point d'interrogation, c'est sur le troisième membre que Benjamin, le troisième membre à une place éligible que Benjamin Netanyahou peut décider d'amener. Et là, les paris sont encore ouverts. On entend le nom de Gal Hirsch, on entend le nom du journaliste Erez Tadmor, qui a fait pas un mauvais score, mais avec le système, j'allais dire, de classement, s'est retrouvé à une place non éligible. Et on entend encore et toujours cette volonté de placer une des figures de la Alia d'ex-URSS afin d'essayer de perturber encore plus la situation politique de personnalités comme Avigdor Lieberman, bien que je pense que cette dernière option ne nous fournisse aucun bon résultat. Je voudrais que l'on revienne sur une petite phrase de Benjamin Netanyahou qui hier ou avant-hier peut-être a déclaré que même si eh bien il n'obtenait pas 61 députés, eh bien il resterait à son poste jusqu'à ce qu'il puisse donc obtenir cette majorité. C'est une déclaration qui vient d'une certaine manière contrarier certains projets peut-être au Likoud, qui serait de dire à Benjamin Netanyahou, de demander à Benjamin Netanyahou si il n'y avait pas ce fameux seuil des 61 députés, de se mettre de côté et de laisser à la place de la présidence du Likoud à une autre personnalité pour permettre au Likoud de revenir au pouvoir. Oui. C'est une vieille question, parce qu'en fait, cette question, on l'a entendue durant toute l'année où le Likoud était dans l'opposition. Cette idée de dire que si le Likoud avait été dirigé par quelqu'un d'autre, eh bien, il y aurait eu un autre gouvernement. Alors effectivement, on est dans des élections qui sont, enfin, c'est extrêmement manichéen. C'est ou pro-Bibi ou anti-Bibi. La seule voix, on en parlera peut-être, qui a changé d'ailleurs et qui dit qu'il faut arrêter cette dynamique et celle d'Ayelet Shaked, mais bon, pour l'instant, elle passe pas le seuil d'éligibilité. Et dans cette scène politique qui est pour ou anti, alors il y a toujours ces voix internes qui disent s'il y avait eu quelqu'un d'autre que Benjamin Netanyahou, ça se serait passé différemment. Oui, mais on ne sait absolument pas quel aurait été le score du Likoud sans Benjamin Netanyahou. On ne sait absolument pas quel aurait été l'attachement des Haredim au bloc s'il n'y avait pas eu de bloc. Et c'est la même chose en fait pour la Tionut Adatid, et quelle aurait été la dynamique entre un Gantz qui aurait bien voulu s'asseoir par exemple avec un Edelstein ou un
on y arrive, Lévin, j'en passais des meilleurs, et la possibilité de s'asseoir, par exemple, avec Smotrich. Donc, en fait, cette volonté ou cet argument, j'ai envie de dire, c'est encore un argument qui vise à affaiblir Benjamin Netanyahou, qui vise à essayer de faire éclater le bloc qui est extrêmement solide. Et en fait, Benjamin Netanyahou dit, voilà, au final, moi, je suis élu par mes électeurs. Et d'ailleurs, dans cette campagne, il se retourne vers ses électeurs à lui. Il n'essaie pas d'aller, j'allais dire, chercher les électeurs qui se trouvent au centre avec sa campagne 1+1 qui font 4 ans de stabilité. Et je crois que c'est une bonne approche. Je pense que Benjamin Netanyahou a bien fait de dire « je suis là pour rester », si ce n'est que pour mettre fin à une polémique qui aurait pu entretenir de nombreuses, j'allais dire, de nombreux stratagèmes post-élection. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur Ayelet Shaked. Même chronologiquement, c'est le dernier développement ce matin, puisqu'on a officialisé l'alliance entre le Baït HaYehoudi et le parti d'Ayelet Shaked. En fait, de facto, ça va s'appeler le Baït HaYehoudi, le foyer juif. D'abord, je voudrais avoir une réflexion de votre part sur la personnalité d'Ayelet Shaked. Il y a 3 ans, elle était considérée comme potentiellement une première ministrable. On disait qu'elle pouvait succéder à Binyamin Netanyahou, récupérer le Likoud au lendemain du départ de Netanyahou. Et là, aujourd'hui, elle est en train d'essayer de flirter avec différentes formations pour se retrouver dans les sondages avec 1%, 1% et demi, peut-être maximum 2%, mais encore loin du seuil d'éligibilité. Comment vous expliquez les choix d'Ayelet Shaked? Je pensais aussi que Ayelet Shaked avait la possibilité de devenir Premier ministre, et c'est une personne qui a fait un très bon début de parcours politique et qui semblait avoir énormément d'atouts. D'abord, dans cette dynamique entre Ayelet Shaked et le Baït HaYehoudi, j'aimerais poser la question du Baït HaYehoudi, parce qu'ils agissent réellement comme une femme battue. Ayelet Shaked a utilisé le Baït HaYehoudi avec Naftali Bennett comme tremplin, puis ensuite, ils les ont laissés à plusieurs reprises pour les détruire à plusieurs reprises, pour ne leur donner absolument rien dans les différentes structures politiques qu'ils ont créées au lendemain de les avoir détruites. On se rappelle le sauvetage avec le Rav Rafi Peres pour ensuite couler de nouveau. Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre comment un parti avec une telle histoire, j'allais dire, une telle aura, continue à essayer de se remettre sur pied justement au travers de ce genre de... Peut-être parce qu'il y a une place peut-être aujourd'hui dans l'échiquier politique pour une formation qui serait entre le Likoud et Bezalel Smotrich et Ben-Gvir, parce qu'il y a, il faut bien l'avouer, vous le savez probablement, il y a dans le sionisme religieux, on va dire dans la mouvance sioniste religieuse, il y a des modérés qui ne veulent pas voter Likoud, mais ne peuvent pas voter pour Smotrich et qui cherchent un foyer, justement, peut-être un foyer juif. C'est la même chose à chaque élection, comme le dit le sondeur Momo Filmer de Direct Pulse. Au final, ce qu'on appelle les sionistes religieux, ils représentent maximum 12 mandats. Et ces 12 mandats, à chaque élection, vont se diviser entre 4 et 5 partis. C'est-à-dire que lorsqu'on donnait à l'époque Shaked et Bennett partant à 19 et qu'ils ont terminé à 7, c'était une erreur, c'était trop donné. Aujourd'hui, vous avez Latiyahu Tadatit et Ben-Gvir qui parfois flirtent avec 11. Vous avez, et on le sait, quelques sionistes religieux qui vont aller derrière Hilly Trooper, derrière les têtes sionistes religieuses que vous avez chez Gantz. Qu'est-ce qui vous reste? Il ne vous reste pas 4 mandats standards, traditionnels, sionistes religieux qui peuvent permettre à Shaked et donc au Mafdal, alias Baït HaYehoudi, de passer le seuil d'éligibilité. C'est déjà bien distribué, c'est sans parler bien évidemment des sionistes religieux qui votent Likoud, et il faut savoir qu'en nombre, il y en a plus qui votent Likoud qui ne votent les... Voilà, il y a vraiment, à mon avis, une erreur de décompte des voix, et pour le coup, en pactisant avec le Baït HaYehoudi, elle ne s'ouvre pas, vous avez raison. Elle rentre dans un vide qui doit être occupé en proposant une troisième voie. Le problème, c'est qu'il faut être capable de convaincre 4 mandats, et ça va pas être chose facile. Aujourd'hui, je vois pas comment un nom comme Brodoni, qui est quelqu'un que absolument personne ne connaît, d'accord, à part peut-être sur la politique locale à Givat Shmuel,
et sur la politique politicienne du parti Baïti Houdi. Je ne vois pas comment un nom comme ça peut apporter le changement. Si demain, c'est un parti qui décide de faire bloc technique avec le professeur Zalika, avec cette jeune Mourtard qui semble être le parti des retraités qui avait fait sensation il y a une décennie. Alors là peut-être, mais il va falloir travailler beaucoup plus sérieusement et s'allier à beaucoup plus de partis pour être sûr de passer le seuil d'éligibilité. Aujourd'hui, en tout cas, moi je vois cela comme un énième danger sur la capacité, la possibilité d'avoir un gouvernement de droite, parce que je le dis et je le rappelle, on parle de 59-60, 59-61, 60-60, mais il faut jamais oublier que dans les 59 qui comptent à gauche, vous avez Sami Abou Shradé qui est un pro-terroriste et ses sbires qui sont pour le coup des gens qui sont favorables au terrorisme, qui sont anti-sionistes, qui veulent la fin de l'État d'Israël comme un État juif et démocratique et qui en vrai ne peuvent s'asseoir dans aucun gouvernement. Donc, bien évidemment, c'est la façon de présenter, j'allais dire, les différents blocs. Elle est fausse à sa base même. Alors un mot encore sur un autre parti qui a présenté sa liste hier, c'est le Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman, et plus spécifiquement sur Lieberman lui-même avec ses déclarations incendiaires et stupéfiantes sur les techniques de Benjamin Netanyahu qu'il a comparé à celles de Goebbels et de Staline. Comment vous analysez le personnage? D'abord Daniel, il faut saluer l'hypocrisie absolument... Enfin, c'est illimité de cette gauche israélienne bien pensante qui laisse Lieberman tout dire et tout raconter. Il y a même eu un article dans Haaretz où il disait, bon, s'il avait seulement comparé Bibi à Staline, ça aurait été, mais il a comparé à Goebbels. Vous imaginez Staline qui a été responsable de la mort de plus, en tout cas, de ce qu'il a fondé de dizaines de millions de personnes dans les goulags qu'il a lui-même créé de ses propres mains, étant plus meurtrier même que l'Allemagne nazie, certes, sur une plus longue période. C'est absolument aberrant, mais ce qui est encore plus aberrant, c'est la non-réaction de la classe politique israélienne pour beaucoup moins ce qui aurait été dit par le second, mais le 30e couteau du Likoud. Alors là, on parle de quelqu'un qui a été ministre de la Défense, on parle de quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères, on parle de quelqu'un qui est dans la scène politique depuis plus de 30 ans. C'est absolument abject et je ne comprends pas comment cette personne qui a été décrit lui-même, d'ailleurs, comme un fasciste pendant des années par cette gauche israélienne, il a été... Il s'est transformé vraiment en saint des saints uniquement parce que il rentre dans Benjamin Netanyahou. Cette hypocrisie, je commence réellement à l'exécrer. On peut quand même faire la part des choses et avoir une approche qui est censée en disant on peut pas comparer un juif. Sauf s'il est profondément antisémite et aussi support nazi, on peut pas l'appeler Goebbels, on peut pas l'appeler Staline, c'est pas possible, surtout lorsqu'on a des responsabilités, lorsqu'on est en campagne électorale. Et attention, pour dire derrière que c'est cette personne-là qui, j'allais dire, est une machine à poison dans le débat politique israélien. Je pense que Lieberman, il est en fin de course. Malheureusement, je pense qu'il va encore passer le seuil d'éligibilité parce qu'il a un système sur lequel il se base sur le troisième âge de l'Aliyah d'ex-URSS qui lui assure 4 mandats, et puis derrière, il essaie toujours d'en gratter un ou deux. Bon, les deux dernières élections, c'était sur le dos de la haine des ultra-orthodoxes. On se souvient ses propos aussi en disant qu'il fallait les jeter à la benne à ordures. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec Avigdor Lieberman, c'est la pire chose qu'on puisse voir et rencontrer et entendre dans la scène politique israélienne. Et je crois que sa liste lui ressemble énormément. Je pense qu'en étant en prenant Kouchner, par exemple, et le mettant à la 7e place non éligible, alors qu'il a été quand même un député respectable, qui était chef de cette commission des finances, qu'il a réussi de manier, de gérer, de faire passer un budget. J'étais opposé à ce budget, mais il a bien travaillé. Et en mettant en avant des représentants qui sont réellement des yes-men et des yes-women et qui ont fait des cadences comme Milikovski, qui n'était, j'allais dire, que cri-insulte et,
et voter ce que Yvette demandait de voter. Je pense que sa liste est mauvaise. Alors, il nous reste quand même encore 2 minutes et je voudrais qu'on aborde pour terminer effectivement le dernier sujet même qui remonte à il y a quelques heures à peine, c'est-à-dire la signature d'un accord entre les deux composantes du mouvement du judaïsme unifié de la Torah, les composantes orthodoxes. Alors, qu'est-ce que vous répondez-vous à ceux qui disent que Benjamin Netanyahou a vendu l'éducation nationale aux orthodoxes à coût de centaines de millions de shekels pour faire former cette alliance, reformer cette alliance et maintenir son bloc? Tout d'abord que c'est des menteurs, parce qu'on sait très bien que c'est une demande, on sait très bien que c'est d'abord la réalité. Aujourd'hui, les budgets passent au travers du Chinuch Atzmaï, ils passent différemment, mais ils passent, et tout le monde sait très bien que dans n'importe quel opposant, que ce soit Gantz, que ce soit Lapid, et ça a déjà été proposé lorsqu'ils ont essayé de tirer les Haredim, ils ont donné exactement les mêmes promesses. Donc, il s'agissait d'abord et avant tout d'un conflit entre les deux différentes mouvances, entre la mouvance racidique qui avait décidé d'aller vers cette réforme, parce que vous comprenez, il s'inspire aussi de Chabad. Il faut savoir que Chabad, depuis Moshe Charet, qui a agi dans les années 60 pour faire entrer Chabad dans justement ce qu'on appelle l'éducation, qui est l'éducation nationale en Israël, avec un mouvement qui est bien à eux, Mamlarti Dati Chabad, et bien plusieurs autres mouvances racidiques veulent s'inspirer de ce modèle-là pour commençait à être budgété tout simplement. Et donc, il y avait cette idée, bien évidemment, de leur imposer l'anglais, les mathématiques, etc., pour obtenir ces budgets. Et ça, c'est très bien. Il faut savoir que les orthodoxes séfarades de chasse, par exemple, tous, 100%, étudient les matières qui sont les matières de base d'une éducation qu'on peut appeler profane. Et par contre, de l'autre côté, ce sont les Lituaniens qui s'opposaient à cela. Et donc, il y a eu un accord de repousser juste hein, d'un an. Sur le papier, il me semble que c'est un an qui a été signé, cette requête-là pour pouvoir se marier et aller aux élections ensemble. Donc aujourd'hui, ce qui se passe sur le dos de Benjamin Netanyahou, c'est pas très intéressant, d'autant que je pense que c'est tellement, encore une fois, c'est tellement manichéen que les gens qui sont derrière Benjamin Netanyahou, c'est pas ce genre de spin qui vont leur changer les idées et décider d'aller les faire voter autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Haredim qui réfléchissent à voter à gauche avec ce qu'on entend comme texte chez Merav Mikhaeli, à Meretz, chez Yair Lapid ou même chez Benny Gantz. Eh bien, Raphaël, merci beaucoup pour ce survol, on va dire, ce panorama de l'échiquier politique. On a abordé des sujets qui sont d'actualité brûlante, puisque ce sont des développements qui sont intervenus dans les 24 dernières heures, ce qui prouve la vitalité, on va dire, de la vie politique israélienne, surtout à 3 jours de la fermeture des listes électorales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aura certainement l'occasion de se reparler d'ici les élections du 1er novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.